Que puis-je pour vous, monsieur... Pettis, James Pettis. Vous pouvez m'aider à sauver le monde. J'aurais pu aller voir le Times ou le Washington Post, mais je vous ai choisi, vous. Pourquoi tout ça? Des centaines de millions de personnes vont mourir. C'est un fait. Des centaines de millions de personnes vont mourir. Et comment? Réchauffement climatique. Il dit que la fin du monde est proche. Il nous manquait plus que ça. Un déséquilibré de plus dans nos rues. C'est quoi cette histoire de hammam? 6 personnes y sont enfermées et dans environ 2 heures, elles seront toutes mortes. Je veux les noms des otages et tout de suite. Je ne suis pas aussi naïf, inspecteur. Je veux voir mon article à la une, noir sur blanc. Je vous dicterai le gros titre moi-même. Avez-vous déjà enduré une chaleur de 55 degrés? Savez-vous ce qui se produit? Les poumons fondent. Les yeux sont brûlés. Ça commence à me faire peur. S'il faut comme tout allait bien avant que les pétasses n'en débarquent. Déshumanisation, chaos, anarchie. Vous retenez 6 personnes en otage, vous irez en prison pour le reste de votre vie. Je suis claustrophobe, moi. Compris? J'ai besoin d'air. Je doute que vous ayez toutes les capacités intellectuelles nécessaires pour gérer cette affaire. Tu vas me donner les noms de tous les otages et me dire où ils sont. T'as intérêt. Je vais me concentrer sur une seule chose. Trouver une solution pour sortir d'ici. J'en ai marre. Monsieur en a marre. Marre de toi! Quelqu'un nous a enfermés, on est tombé dans un piège. Tu vas la fermer. La déshumanisation de la société, c'est l'individualisme, l'égoïsme et la barbarie. Tu vas crever!